Est-ce que tu peux évoquer la situation quand même politique actuelle pour qu'on ait une idée des forces en présence politiquement en Syrie, au niveau de la population syrienne, telle que toi tu as Bien pu sûr, l'apercevoir? bien sûr. Alors actuellement, suite à la loi des partis, il y a eu 8 partis politiques qui se sont créés. Et 9 maintenant? D'accord. 9 partis politiques, hein, 9 nouveaux partis politiques qui se sont créés, qui ont participé et qui ont présenté, parce qu'il y a eu, il vient d'y avoir le 6 mai, le 7 mai, les élections de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée constituante en fait. Tous ces partis ont présenté des listes. Hein. Je reviens au massacre de Houla, parce que c'est un massacre qui a interpellé beaucoup de gens et tout le monde pense que ça a été fait par les gens du gouvernement. Alors, le massacre de Houla, c'est une famille, c'est des familles alaouites, hein, en fait, qui ont été massacrées, mais c'était des personnes qui continuaient à se battre, hein, qui ont créé des partis, et c'était la personne qui s'était présentée aux élections locales et qui voulait se présenter avec une liste, hein, aux élections nationales, de l'Assemblée nationale. Et la famille Il a de ce été personnage. massacré avec toute sa famille. Les enfants, ses femmes, etc. Sa femme et ses enfants, ils ont tous été massacrés. Et c'est ça le massacre de Houla. Alors qu'on n'aille pas dire que c'est le pouvoir qui l'a fait, parce que les enfants en plus, alors les enfants qu'ils ont réunis, c'était des enfants, d'après ce que j'ai compris, c'était de différents endroits qu'ils ont réunis au même endroit, qui ont été kidnappés la veille ou l'avant-veille et qui ont été torturés et tués et dépecés. Ralid, je crois, Oui, on alors peut tu as nous faire un quelque résumé chose parce à dire qu'il y a là-dessus? quand même un comité d'enquête officielle, Il y a une commission une d'enquête commission d'enquête officielle, bien officielle, sûr. parce que, comme vous le comprendrez facilement, évidemment, les gens dont il s'agit sont des alaouites, donc supposés être les soutiens de Assad. Et déjà, il y a une petite contradiction dans le fait qu'il aille les massacrer sauvagement. Mais il y a donc une description des faits assez claire et qui me semble parfaitement plausible, que peut-être Ralid Je peux peut vous donner évoquer. quelques détails. En effet, les événements se sont passés avec un certain chronologie. Les groupes qui étaient armés, après la prière de vendredi, se sont rassemblés de différents points jusqu'à atteindre un nombre. Ils étaient environ entre 600 et 100 personnes, donc armées jusqu'avant. Ils ont commencé, comme les trois villages en question sont tous de sociales mélangées. Donc il y avait des sunnites, des alaouites, des chiites de toutes parties. Donc ils ont commencé à démanteler les checkpoints qui étaient autour, qui empêchaient donc de pouvoir travailler tranquillement. Et ils ont fait une bataille de rue avec les checkpoints. Oui, parce que les checkpoints, c'était l'armée C'était qui l'armée était là pour officielle qui protéger protégeait les les familles en civils. question, et puisqu'on savait qu'ils étaient très menacés. Oui. Donc ça a duré, on va dire, longtemps. Ça a duré jusqu'à le soir. Et ils ont arrivé finalement à anéantir un checkpoint complètement, environ 20 soldats. On dit exactement 23 soldats. Mais en contrepartie, les soldats, ils ont pu faire descendre des assaillants environ une cinquantaine de personnes. Donc suite à ça, ils ont commencé leur assassinat. Ils ont attaqué immédiatement quatre familles. J'ai pas de carte pour vous montrer, mais les quatre familles, ils habitent dans des ruelles espacées. C'est pas des adjacents, c'est pas à l'image qu'on a commencé à attaquer maison par maison, comme ils ont montré, comme quoi assassinat systématique. Donc la première famille, c'était le frère d'un élu, tout récemment élu à l'Assemblée nationale syrienne, et qui est devenu, je pense il y a 10 jours, un peu avant, juste avant les assassinats, le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. C'était un élu qui représentait le parti Baas, donc le parti du président Bachar el-Assad. Donc ils ont tué son frère, sa femme et tous les enfants. Et il y avait deux adultes avec eux. L'élu en question s'appelle Abdelmanti Meshleb.
Puis ils ont attaqué deux autres familles qui sont apparentées avec sa femme, la même personne. Et là aussi, donc ils ont massacré tout le monde, femmes, hommes et enfants. Il y avait des voisins qui ont porté secours, de la famille Abdelrazak. Ceux-là aussi sont des partisans, ils étaient massacrés. Suite à ça, ils ont mis les cadavres les uns à côté des autres, et avec leurs propres cadavres, c'est ça ce qui est hallucinant. Ils ont mis leurs propres cadavres, avec les cadavres des soldats qui étaient des choc points, plus les cadavres des familles. Ça fait les 108 qu'on a parlé aux médias. Mais en fait, il y avait plus que 108. Il y avait 144 en tout. Il y avait d'autres. Comment ils ont fait pour les autres? C'est qui les autres? Une fois ils ont terminé la mise en scène, la nécessité pour filmer et tout ça, les photos que vous avez eues, donc c'était les photos après avoir rassemblé les enfants et les autres, qu'ils ont rassemblés dans un mosquée. Oui, excuse-moi, je t'interromps, on ne parle même pas évidemment du montage ridicule et grossier de la BBC qui a montré des photos irakiennes. Je ne rentre pas dans il ne s'agit même pas de ça, évidemment. On est dans des photos réputées, authentiques, véritablement faites en Syrie. Donc les 108 déjà, il y avait une cinquantaine de leurs propres assaillants. Ils ont mélangé avec tout le monde. Là, ça montre leur degré d'humanité et de quelle personne il s'agit. Bon, après, ils sont partis dans d'autres villes. Enfin, cette ville-là s'appelle, c'est un village qui s'appelle Kola, environ 25 000 habitants. Après, ils sont partis dans d'autres villages à côté, où ils ont massacré d'autres familles et des paysans qui étaient en train de labourer leurs terres. Et là, on arrivait à 144 avec les autres. Mais au passage aussi, ils ont brûlé les champs, environ 50 000 mètres carrés de blé, champs de blé. Ils l'ont brûlé. Et après, ils sont attaqués à un pipeline qu'ils ont explosé. Donc en fait, il y a un champ des événements, d'action. Ils n'ont pas simplement fait des assassinats, ils ont fait toutes sortes de choses. Et évidemment, celui qui réfléchit, surtout par rapport à la nature et à l'identité des victimes, ça ne va pas être l'État qui est en train de dégorger ses propres fils. Surtout la veille d'une décision, d'une rencontre avec un homme. Et la veille des rencontres aux Nations Unies. Donc ça montre les intentions qui sont derrière. Ça c'est d'un côté. Bon, sans parler maintenant de ce qu'il a évoqué Dominique, les photos truquées qui étaient montrées à la BBC, qui n'est pas truqué mais qui n'avait rien à voir, donc, qui a été faite en Irak. Le fait de dire qu'elle est de Hula, donc c'est ça le trucage, elles ont truqué l'appartenance de la photo. C'est des mensonges carrément, oui, absolument. Donc là on est en droit de se poser des questions, sauf qu'ils sont, quand même il y avait la frustration médiato-diplomatique derrière tout ça. Ça nous interpelle. À Alep, donc ils utilisent des explosifs qui sont peu connus, qui sont les États des États-Unis, comme le C4, comme le nanothermite, des explosifs qui font de haute chaleur, à haut degré d'explosivité, qui sont réservés uniquement à l'armée américaine. Qu'est-ce qui fait ces explosifs-là en Syrie? Sachant que la Syrie n'est pas un importateur des armes américaines. Ni israélienne d'ailleurs, parce qu'on s'est retrouvé avec des armes israéliennes. On pourrait toujours imaginer que par machiavélisme retors, le pouvoir de Assad aurait pu procéder à des achats de ce type de matériel. Mais là où ça devient quand même très difficile à imaginer, c'est qu'il massacre ses proches partisans, ses soutiens, et de manière aussi odieuse au moment où diplomatiquement c'est le plus défavorable pour lui. Donc, sachant maintenant, si on prend cette mise en scène, est-ce possible que les États-Unis lui vendent des armes comme ça, interdites normalement, réservées à leur allié, et en même temps interdisent, avec les sanctions économiques que vous connaissez très bien, la vente de mazout et de produits pétroliers, de produits de base. Il faut oublier qu'il y a un embargo sévère sur la Syrie. Des produits alimentaires, carrément. Pour ceux qui l'auraient oublié, il ne faut pas oublier ça. Ouais.
Parce que maintenant, et des armes qui viennent d'Israël. Oui. Il y avait des armes qui viennent d'Israël. Que disent les gens de l'ONU? Alors, il y a une enquête ou là ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ben, alors, les gens de l'ONU, ils disent qu'il y a effectivement, ils vont faire une enquête, etc. Et puis que, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Annan déclare que, de toute façon, le plan Annan, il n'a pas été respecté. Et pour la première fois d'ailleurs, il commence à dire il faudrait quand même que les pays qui arment les rebelles et qui les poussent à la violence, il faudrait quand même qu'ils acceptent les 6 points du plan Annan. C'est la première fois aujourd'hui, absolument. C'est la première fois qu'une espèce de dialectique est apparue enfin dans les médias pour montrer que le problème était un peu plus compliqué que le laissait supposer Bernard-Henri Lévy. C'est que la commission de la Ligue arabe, qui a été dirigée par M. Dabi aussi, qui était déjà allé en Syrie, etc., a écrit clairement dans son rapport qu'il y avait effectivement des rebelles, des gens de l'opposition armée qui agissaient aussi sur le terrain, etc. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous étiez au courant, le rapport de cette commission, il n'a même pas été lu à l'Assemblée plénière de la Ligue arabe et il n'a même pas été lu au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il faisait mention justement des rebelles armés qui s'attaquaient à la population. Et là, ça ne leur a pas plu du tout, parce qu'ils espéraient que la commission, que Dabi puisse donner un rapport tel que l'Arabie Saoudite et Qatar voulaient, et tel que les États-Unis et les membres de l'OTAN le voulaient, c'est-à-dire que c'est seulement le scénario réduit à sa plus simple expression, c'est Assad tue son peuple. Or, ça n'a pas été ça. Et donc le premier rapport a été enterré, on a déclaré très vite que la commission de la Ligue arabe a été un échec total, et après il a fallu escalader à chaque fois on escalade les sanctions contre la Syrie. Là, donc, sanctions en plus, même aujourd'hui, donc on dit il y a nouvelles sanctions contre la Syrie. Et puis, à chaque fois, on enterre le rapport. Bon, là, aujourd'hui, le rapport Annan n'a pas été... Annan, ils n'ont pas pu le museler, parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose qui commence à changer, étant donné que la Russie dit clairement qu'il y a quand même des bandes armées qui agressent la population. La Russie dit clairement... Ce qu'en principe, n'importe quel reporter, journaliste, témoin, aurait dû véritablement présent sur place, d'après ce que m'ont dit tous les témoins qui sont venus m'en parler, peut constater et qui est absolument archi-connu et notoire de toute la population syrienne. Tout à fait. Mais de plus, l'Arabie Saoudite ne s'en cache pas. L'Arabie Saoudite et le Qatar ne s'en cachent pas. Ils disent tous les jours, on veut armer l'opposition syrienne. Ils le disent. Oui, mais ils entendent l'armée pour lutter contre l'opposition syrienne, pour lutter contre l'armée de Assad. Alors, ils ne précisent pas que c'est aussi pour massacrer très largement, copieusement, La population. Et la population qui n'est pas totalement enthousiaste. Absolument. Alors, c'est là que je voudrais que tu reviennes, ou que vous reveniez tous les deux, sur les rapports de force, l'opinion, tel qu'on peut l'imaginer, tel que vous deux, qui n'avez pas forcément les mêmes positions politiques par rapport à la Syrie et au gouvernement de Assad, peut-être que vous ne serez pas d'ailleurs d'accord, mais est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut savoir des rapports de force, de qui pense quoi? Et tu avais évoqué le fait qu'une des choses qui terrorisait juste avant l'entrée en vigueur du plan de paix, semble-t-il, au moins une très large partie de la population syrienne, sinon peut-être la majorité, c'était précisément ce plan de paix. Absolument. Et pourquoi? Alors, déjà dans l'avion... Moi, déjà dans l'avion, quand j'ai pris l'avion le 7 avril, je partais vers la Syrie. Dans l'avion, je discutais avec une personne qui était à côté de moi.
et qui me dit bah écoutez, vous savez, nous on a la plus grande peur que nous avons, c'est la peur du 10 avril. Et je lui dis, mais pourquoi le 10 avril? Il me dit, parce que le 10 avril, c'est le cessez-le-feu, le soi-disant cessez-le-feu imposé par l'international, imposé par l'international aussi, le fait que la mission Annan va commencer son travail et que l'armée doit se retirer. Et nous, on a vraiment très très peur, parce qu'on va se faire massacrer. Et il me dit, déjà mon frère s'est fait massacrer. Il dit, donc, il était d'Hera, le gars. Alors, ce témoignage, a priori, qu'est-ce qu'il représente par rapport à ce qu'on peut imaginer de la population syrienne en général, si on peut faire une évaluation? Ce témoignage, bon, j'ai essayé de vérifier aussi quand je suis arrivé en Syrie, alors avec les informations que j'ai pu récupérer. Et les informations que j'ai pu récupérer, donc par exemple, il y a une usine à Alep qui a été carrément brûlée. Alors c'était des expatriés qui avaient fait venir leur argent, qui ont créé une usine importante de quelques milliards de livres syriennes. C'est une usine qui occupait 4000 ouvriers. Alors apparemment, ils sont passés, là, les rebelles sont passés une fois, deux fois, ils lui ont demandé des sous, il leur a dit « j'ai pas de sous », etc. L'usine a été brûlée, la personne complètement. Alors il a retrouvé son usine, des cendres par terre, et lui, il a vu ce qui s'est passé, et il a eu un arrêt cardiaque immédiat. Il est mort sur le coup. C'était deux frères qui étaient... Donc en fait, toutes les personnes... les commerçants, les personnes se faisaient rançonner comme ça, et après ils sont passés à un stade supérieur, ils me disaient, et ils commençaient à kidnapper des enfants et des familles, etc., pour récupérer de l'argent, et si l'argent n'était pas là, c'est l'argent pour la révolution, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Une question que je voulais poser à Ralid, on peut le dire clairement, qui est lui, qui est palestinien d'origine, qui vit en Syrie depuis pas mal d'années, depuis sa naissance, pour des raisons historiques que ceux qui connaissent l'histoire de la Palestine comprennent aisément, est explicitement un soutien, ou soutient le régime de Assad, déclaré, donc il vaut mieux le dire clairement, ce qui n'est pas le cas de Aïsser. Mais indépendamment de ça, donc qui éclaire peut-être ton témoignage, donc les gens pensent... À titre d'exemple, moi j'ai ramené avec moi ce rapport. Donc, que certains connaissent très bien. Donc, ce rapport qui s'intitule donc une libanisation fabriquée en Syrie. Donc, c'est fait par des Français, par un centre de recherche français. Et bah, il y a d'autres. Il y avait une Belge, une Algérienne, mais le centre de recherche il est financé et c'est en français. Donc, c'est la Rivière, c'est ça? Voilà. CF2R et le CIRET. AVT. Bon, dedans, ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait partisans du régime Bachar al-Assad, mais elles reconnaissent comme quoi il y a beaucoup d'obscurité dans les médias français, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses cachées. Et elles donnent des détails, justement, à l'époque c'était pas encore Hula, mais il y avait d'autres détails. Et on n'a jamais donné l'occasion à ces gens-là de parler à la télé, ici en France, à la radio et compagnie. Voilà, et il n'y avait pas que ça. Et rappelez-vous, à la fin des élections, il y avait des anecdotes qui se sont passées entre Juppé et ses administrés dans le ministère des Affaires étrangères. La fin des élections en France? Oui, avant les élections, juste avant que ses administrés à lui, donc les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, accusaient carrément Juppé comme quoi il a falsifié le dossier de la Syrie. Ça, c'est un rapport qui rappelle ceux qu'ils ont oublié, qu'est-ce qui s'est passé en interne dans le ministère des Affaires étrangères. Ah oui, ça n'a pas donné des échos, ça n'a pas donné des... Je n'ai pas entendu parler, quelqu'un m'a entendu parler. C'est Eric Chevalier c'était l'ambassadeur de la Syrie, de la France en Syrie, qui a reproché Juppé de ne pas avoir lu les rapports qu'il avait écrits en disant que le pouvoir Assad est très fort et que... il n'allait pas pouvoir le renverser en si peu de temps, etc. Et qu'il est très soutenu par la population. Rapidement. Et que, en plus, ils se sont appuyés sur un conseil dit national des Syriens
qui n'a absolument aucun poids dans la population, qui n'a aucune présence. C'était dans le rapport de l'ambassadeur. Ah, d'Éric Chevalier, oui. Donc je pense que c'est toujours le cas, vous pensez que c'est toujours le cas. Et qui a été publié par Malbruno dans le Figaro. Hein, ça a été. Donc, il est resté deux jours sur le site du Figaro. Après c'est fini, on n'en parle plus. La nécessité des médias. Bon, après, on a bien vu ici le côté énergique de traitement de l'affaire de Houla pour le massacre d'une trentaine d'enfants. Donc, j'ai apporté avec moi la liste ici de noms de 200 enfants massacrés par l'armée israélienne à Gaza. Vous connaissez tous. Il y a leur nom avec leur âge dans cette liste-là. On n'a pas fait l'écho à l'époque autant que pour 30 Syriens. Je me demande, est-ce que les 30 Syriens valent plus que les 200 Palestiniens? Donc, les médias cachent tout, et entre autres, cachent le rapport de force qui vous intrigue. Voilà. Enfin, qui m'intrigue, j'aimerais avoir des témoignages concrets qui pourront être mis en question, qui peuvent être débattus, mais... Justement, pour arriver à ça... Moi-même, j'ai envoyé ma fille avec sa mère en Syrie pour passer les vacances entre le 14 avril dernier et le 28. Donc ça fait un mois, environ un mois, une semaine. Et ils ont passé de très bonnes vacances en Syrie. Ça veut dire, la personne se balade dans la ville tranquillement, elle ne voit rien. En fait, où se passe cette révolution alors? Parce que dans les grandes rues de la capitale, il n'y a rien. Et c'est violence terrifiante. Alors, vous vous rappelez pour l'Égypte, par exemple, ça se passait à une grande place qui s'appelle Tahrir, qui est connue, c'est un plein centre de Caire. Alors, le centre de Damas, il n'y a rien, quoi. Où se passe donc cette révolte? On en parle tant dans les médias. En fait, si vous suivez bien, même si vous regardez les photos de Jazeera et compagnie, et les sœurs de Jazeera, ça se passe dans les arrières-cours des villages. C'est là où on paye les 1000 livres, les 500 livres, et maintenant c'est descendu à 250 livres. Voire même récemment, j'ai entendu qu'ils payent 25 livres. 25 livres, c'est l'équivalent de 300 livres. Comment tu expliques cette porosité de l'opinion de ces journalistes, indépendamment du fait que manifestement ils ne font pas beaucoup d'efforts pour vérifier leurs informations et qu'en général, ils ne passent pas beaucoup de temps sur place? Parce qu'ils ne vérifient pas leurs informations, donc la raison, elle est là. Mais j'aimerais encore insister par rapport au partage de force entre les opposants. Donc, c'est le point important, parce qu'en fait, il y a des manifestations, on ne va pas dire pro Bachar, mais pro la Syrie. Parce que nationaliste. Parce que Bachar présente. Patriotique. Maintenant, est devenu. Un symbole pour l'État et la continuité de l'État. Parce que si, dans l'hypothèse de sa chute, nous, on imagine que, avec les tensions qu'ils sont en train de fabriquer, il y a des risques. Il y a des risques. En plus, quand on voit les manifestants qui sortent à Damas et à Alep, ça se compte par des millions. Ça se compte. Une fois, sont descendus 9 millions en tour dans les diverses villes de la Syrie. Des manifestations de soutien patriotique. De soutien à Bachar al-Assad, à ses réformes, à son régime, il faut le dire. Donc, 9 millions dans les grandes places des grandes villes et des petites villes, est-ce que c'est comparé avec les 20-50 personnes qui sont dans les ruelles des villages, qui sont achetées? On ne va pas dire aussi... On ne va pas nier qu'il y a des gens qui sont convaincus. Oui, on ne va pas nier, ça on ne le nie pas. Il y a quand même une forte opposition pour des raisons qu'on connaît bien au pouvoir malgré tout dictatorial de Assad. L'opposition, oui. Elle est suite à l'armement, à l'entraînement. C'est pas un secret maintenant que la Syrie, par exemple, ça c'est une information qui est complètement... caché, que vous n'arrivez pas à entendre, vous n'avez pas entendu, sauf par des rumeurs, mais c'est véridique, c'est révélé par différentes personnes, qu'il y a 19 officiers français de service de renseignement qui sont capturés en Syrie. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Syrie? Capturés. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais c'était quoi leur mission? J'ai reçu un rapport
je l'ai envoyé, écrit par un général français des renseignements, qui avoue leur présence, la présence des Français en Syrie, et surtout, ils savent tout ce qui s'est passé à Hawla, mais malheureusement, les médias n'en parlent pas, car il y a une ligne qui est dessinée par les pays de l'OTAN, donc les États-Unis et les pays de l'OTAN, et que la presse n'en sort pas, parce que c'est la décision de l'État officiel. Français, de la politique française. Alors, les généraux sont là-bas, et oui, les Français et Américains, bien sûr, parce que les Français, désolé, suivent quand même la politique américaine. Les généraux français se trouvent sur le terrain, la Russie l'a su, parce que des appareils ont été trouvés par l'armée syrienne. Les Russes ont voulu absolument avoir ces appareils et Assad n'a pas voulu, car bon, il a monnayé cet appareil. Bon, Normal. Oui. Évidemment. Mais c'est pour vous dire que les renseignements français sont au courant de tout ce qui se passe. Je pense que la dame, madame, a parfaitement raison. Les services de renseignement de toutes les grandes puissances. Mais même des petites puissances, les pays voisins, les pays riverains, où ils savent. Mais en dehors de ces services, les autres ne savent pas. Nous, les autres, nous ne savons pas. À vrai dire, ils sont rares sous les journalistes ou sous qui manient l'information qui soient capables de dire ce qui se passe réellement. Je ne mets pas en doute vos témoignages, mais ce que vous témoignez, vous, ce que vous avez vu. Là, ce qu'ils ont commencé, cette entreprise de diabolisation, qui soit juste ou injuste, qui a commencé avec l'Irak il y a plus de 20 ans, il est actuellement affiné, il est développé. On a introduit la technologie de manipulation, on a même popularisé la technologie de manipulation. Ce n'est pas seulement les États ou les services de renseignement qui peuvent manipuler, les groupes d'opposants ou même manient très bien la manipulation, les réseaux sociaux, l'image, les informations. Et toute l'armée de journalistes qui se yont ces pays-là, en réalité, elles répètent, les mots d'ordre qui sont donnés, on peut rendre le régime diabolique, même si hier il était notre ami, on s'attendait très bien avec lui, et ce plan-là être appliqué dans n'importe quel pays. Ouais. Ils l'ont appliqué en Irak, il sera appliqué en Syrie. Il y a de légères modifications selon les pays, selon le contexte. Ce qui a été appliqué en Libye, ce n'était pas tout à fait ce qu'on a. On va faire en Syrie. Mais ça ne veut pas dire que les régimes, ni en Irak, ni en Syrie, ils ont raison. Ça ne veut pas dire ça. Il y a une forte opposition en Syrie. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça remonte aux années 80. Les frères musulmans ont été laminés par Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad. Il était obligé de bombarder des villes à l'époque où il y a eu 20 000 victimes, essentiellement des frères musulmans. Et cette opposition de frères musulmans qui s'est mise en opposition clandestine jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les plans sur le plan international, les grandes puissances pensent qu'il faut confier le pouvoir dans le monde arabe aux frères musulmans. Et ce que vous avez dit, que Alain Juppé a dit à l'Institut du monde arabe, il était parfaitement cohérent avec la tonalité donnée par Obama, lorsque Obama a suggéré de donner la possibilité aux frères musulmans, enfin, de prendre le pouvoir quand on les a gardés à l'écart toutes ces années-là. Il faut peut-être leur laisser la possibilité de prendre le pouvoir. Et ce qui s'est passé, grosso modo, en dépit d'une grande révolution en Tunisie et en Libye ou ailleurs.
l'opposition syrienne aujourd'hui est essentiellement les frères musulmans en Syrie. C'est essentiellement. Pas vrai, il y a 9 partis. Quand même. Il y a essentiellement la force, la grande force, c'est les frères musulmans. La preuve, c'est que M. Burhan Ghalioun, qui est le président du Conseil national syrien, a démissionné il y a 3 semaines en disant, oui, il a démissionné de la présidente du Conseil national en disant lui-même, en avouant qu'il ne savait pas qui prenait les décisions dans le Conseil national. Et que finalement, la puissance des frères musulmans au sein du Conseil, elle est déterminante. À côté des frères musulmans, il y a bien sûr, il y a la force laïque de gauche, qui est animé par la coordination d'Aït Amanna, il y a d'autres coordinations, mais il y a surtout une troisième force d'opposition qui est de loin la plus menaçante, qui est les descendants de l'armée, qui sont implantés en Turquie, soutenus par la Turquie, soutenus pour l'OTAN, et de jour en jour, on augmente le nombre de descendants de l'armée, on les encourage, et ça sera la force de frappe militaire, le moment venu, si on veut attaquer réellement le régime, bah, c'est ces militaires-là qui sont entretenus dans l'armée. Et le scénario syrien, elle ressemble à peu près, ça va ressembler à peu près au scénario irakien. Le scénario irakien était d'essayer de détruire l'armée irakienne. L'armée irakienne, c'était une armée dite idéologique. Elle était animée par un parti politique, par une idéologie. Ce n'était pas le cas de l'armée tunisienne ni de l'armée égyptienne. On n'avait pas besoin à démanteler cette armée-là en Syrie. L'armée, elle doit être démantelée. C'est pas le vœu de Soubry. Hein. Lorsqu'ils vont essayer d'achever le régime, ça sera d'abord, ça passera par le démantèlement de l'armée syrienne. Comme c'est ce qui s'est passé en Irak. Alors, la question. Juste par rapport au nombre de ces décédents-là. Parce que quand même, on a entendu, des milliers, même à un moment on a entendu 200 000, et après quand on écoute bien, ils disent qu'il n'y a que 600 personnes. Il finit son exposé, il posera les questions. Les opposants irakiens ne représentaient rien. Par rapport au peuple irakien, les représentants de l'opposition irakienne, c'est un opposant irakien qui te parle. Une poignée de personnes en exil, que les États-Unis ont réuni, entraîné, armé, et il les a conduits avec des chars américains pour les entroniser et les mettre au pouvoir en Irak. Même si aujourd'hui les dissidents de l'armée syrienne ne représentent que quelques milliers, peut-être 5 000, 6 000, c'est déjà un noyau militaire qui sont en train de développer mon c'est 4%. En Syrie, il est de l'ordre de 1%. Tu vas faire tes objections après. Soubry termine et après mon propos, ce n'est pas là. Mon propos est de dire que le régime syrien, il est acculé. Il n'a plus d'initiative politique. Il n'y a plus de possibilité d'initiative politique. La seule initiative politique qui lui restait en main, c'était d'organiser les élections législatives là, au mois de juillet. Les élections qui ont été organisées, ça n'a pas changé, ça n'a pas modifié la réalité de la composition de régime. Le parti reste le parti dominant. Les forces de la coalition associées au pouvoir sortant des urnes là, c'est les mêmes. Il y a un représentant des nationalistes, machin, et un représentant des communistes qui sont au sein de cette coalition, mais tout le pouvoir est dans la main de parti basse. Ce n'est pas un jugement, mais c'est la nature du régime. La nature du régime, elle est ainsi faite. Il n'a pas de possibilité de prendre d'autres initiatives politiques. Il n'a pas pris l'initiative de dire aux opposants, venez ensemble, on va organiser les élections, je suis prêt à quitter le pouvoir
5 ou 6 ans, mais avec mon parti, on prouvera qu'on pourra revenir au pouvoir. Ils n'ont pas pris cette initiative. Ils sont acculés à user de la force et uniquement de la force. Il fait la démonstration de force, il a la population avec lui, il a encore l'armée, il a tout l'appareil d'État, mais les sanctions économiques qu'on va lui infliger et tous les la manipulation que vous avez évoquée, toute la mobilisation qu'on va faire, le régime, en fait, il n'a pas de porte de sortie. La seule possibilité qu'il a, il met ses espoirs dans la possession de la Chine, de la Russie et d'autres pays, des grands pays, les nouveaux émergents, où ils ne sont pas d'accord. Pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'aligner à un moment ou à un autre sur le Conseil de sécurité, sur l'OTAN, probablement. Tout l'espoir est mis dans la position des principaux acteurs de grandes puissances. Et puis, ça dépend le devenir de la Syrie, malheureusement, pour le peuple syrien. Personne ne souhaite au peuple syrien d'avoir le même sort que le peuple irakien. Son sort, il est lié aux négociations, aux tractations entre l'Iran et les États-Unis et les exigences des États-Unis. Si on fait plier l'Iran, probablement, si l'Iran cède son programme nucléaire, probablement on trouvera une sortie pour le régime syrien. Mais si l'Iran persiste, les États-Unis, les pays de l'OTAN, ils vont casser la Syrie pour affaiblir l'Iran. Voilà un petit peu la réalité. Alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est juste ou c'est injuste ce qu'on inflige à ce régime? Ce n'est pas le régime qui est la victime dans cette affaire, c'est le peuple syrien qui est la victime. Il est effectivement pris en tenaille entre une opposition qu'elle est soutenue, alimentée par des grandes puissances, et un régime qui ne veut pas céder, mais qui ne paie pas. Il ne paie pas parce qu'on ne lui laisse plus de porte de sortie. Ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Saddam Hussein, on l'a coincé. Il ne pouvait pas sortir. Sa destinée, c'était d'aller à la mort. Et ce qu'ils sont en train de tracer, de tramer... Le destin de Saddam est une chose, mais avant de vous repasser la parole, je voudrais que tu rappelles le destin terrifiant du peuple irakien aujourd'hui, le résultat de tout ça au niveau de l'Irak. Et c'est quand même, malheureusement, je l'évoque parce que c'est quand même ça qui surtout menace les Syriens, qui d'ailleurs, je pense, en sont assez conscients. Alors, on peut faire une comparaison presque juste. La nature du régime irakien est comparable à celle du régime syrien. Ce sont deux régimes un petit peu teintés par une politique totalitaire de parti unique qui se sont installés au pouvoir depuis 40 ans, qui étaient plutôt des régimes laïcisants. Si vous voulez, c'était des sociétés sécularisées. Et ces deux sociétés sécularisées, ils ont une composition de population semblable. Il y a en Syrie, comme en Irak, des sunnites, des chiites, des chrétiens, des druzes, des kurdes, des sociétés multiculturelles, multiconfessionnelles. Et que ces deux pays, depuis la fin de la première et deuxième guerre, ils se sont arrangés pour une cohabitation plus ou moins acceptable. Après le renversement de Saddam Hussein, on a amené les opposants de régime avec les chars américains, dans les avions de l'armée américaine, on les a conduits à Bagdad et on les a installés à la place du régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était un dictateur. Ce que les Américains, ils ont amené dans leur bagage, ils ont amené 40 dictateurs. Car ils ont divisé le peuple irakien et la classe politique en petites communautés religieuses, confessionnelles,
et à la tête de chaque communauté, ils ont entronisé un petit dictateur. Les Irakiens, si ils avaient l'espoir un jour de changer leur dictateur, aujourd'hui, ils sont face à une quarantaine, avec une quarantaine d'armées, car chacun, il a sa communauté confessionnelle, sa milice, son armée, et même son puits de pétrole. Et puisqu'ils se sont arrangés... En termes occidentaux, ça s'appelle la démocratie. C'est absolument la nouvelle démocratie. La nouvelle démocratie qu'ils ont installée en Irak, qui sera le modèle. D'ailleurs, George Bush avait dit que je ferai de l'Irak un modèle pour l'ensemble des pays du tiers-monde. C'est le modèle. Et depuis bientôt 10 ans qu'ils sont en Irak, le régime mis en place, il a complètement... dans l'eau la constitution irakienne qui était l'acquis d'une quarantaine ou de cinquantaine d'années de lutte de peuple irakien. On a mis en place une constitution basée sur le confessionnalisme. Écrite par un Américain d'ailleurs, par un avocat américain. La constitution irakienne était rédigée par un expert, un juriste américain, qui leur a proposé un chemin confessionnel, que chaque communauté doit compter ses membres. Et en fonction de nombre de membres de communautés qui doivent avoir leur part de pouvoir. Et c'est ainsi qu'ils ont distribué tous les postes de pouvoir pour les sunnites, les chiites, les kurdes et les petites minorités. Sur des bases confessionnelles et communautaires. Sur des bases confessionnelles et communautaires. Et ils ont encouragé chacun de ces groupes à avoir son propre armée, sa milice. Et depuis qu'ils sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il y a pratiquement chaque jour plus de 100, 200, 150, au moyen une centaine de morts quotidiennement en Irak. Alors ça, pour l'Irak, on va peut-être arrêter parce que, comme tu sais, on a fait une longue émission, enfin une émission, un lapsus révélateur. On a fait un long quelque chose qui sera prochainement en ligne sur le site de la librairie. Donc ça, c'était pour évoquer et pour repasser la parole maintenant, parce que c'est effectivement ça qui vous menace, vous, Syriens. Justement, c'est un modèle. Oui. Voilà, et ce modèle, ce magnifique modèle bouchiste. Pas un modèle attirant comme un scénario. Donc là, j'aimerais... Bon, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dit, mais je m'excuse, mais sans m'interrompre, je pense que tout ce que vous avez dit, c'est dans le cadre de celui qui pense que les États-Unis encore a l'hémogénie sur le monde. C'est elle qui décide le destin de ce pays. Moi, je ne pense pas ça. Moi, je vois la réalité. Je vois que les États-Unis commencent à perdre la main, même à gauche, à droite, au sud, en Amérique du Sud, en Afrique, dans quelques pays, surtout en Asie avec la Chine. Rappelez-vous simplement l'histoire, la toute nouvelle information qu'on a eue, que le Japon et la Chine, ils ont décidé de l'échange économique dans leur propre monnaie, pas dans le dollar. Donc ça, c'est très, très révélateur que les pays commencent à oser dire non aux États-Unis. Et c'est là-dessus qu'on compte aussi. Hein. Justement, j'arrive à ce point-là, que la Syrie ne compte pas sur le veto syrien. Laissez-moi quand même terminer, parce qu'il a dit beaucoup de choses. La Syrie ne compte pas sur le veto russe, ni le veto chinois. Le premier argument, la première chose qui fait tenir la Syrie, c'est son peuple. Et ça c'est la première chose, il ne faut pas négliger ça. Deuxième point très très important pour la Syrie, c'est la diversité. Pas simplement de composition de peuple, qu'on ait 18 confessions solidaires, très solidaires, on le voit ici à Paris, on le voit partout, mais surtout... Ça je confirme, hein. Surtout économiquement, c'est pas le cas de l'Irak. La Syrie, son économie, elle est basée sur beaucoup de choses. Elle est très diversifiée. Avec leur embargo et leur pression économique, ça n'a pas touché à hauteur de 10% l'économie syrienne. Même les produits, c'est vrai qu'ils ont augmenté, mais c'est de l'ordre de 10%. Dans les pays voisins, ils étaient touchés plus que la Syrie. La Jordanie, le Liban, économiquement, suite à l'embargo syrien, ils étaient touchés plus.
c'est quand même très révélateur. L'économie, elle est solide. Sans oublier des points très très importants, que la Syrie n'a pas de dette extérieure. J'ai trois questions à vous poser, un peu différentes, mais qui vont dans le sens de ce que vous avez dit. Première question, une question de simplement de Béotien. Je ne comprends pas pourquoi tout au début, au moment où il y a eu de l'agitation sociale, des manifestants, il y a peut-être des gens payés, mais il n'y avait pas que ça, etc. Pourquoi tout de suite la répression a été à base d'armées, de tanks? Il n'y a pas de CRS là-bas. Pour le reste, ils sous-traitent avec une stratégie du chaos tout le long de l'armée. Bon, la question, c'est, ne pensez-vous pas, quand on a fait des politiques de cohabitation, et ce qui est tout à fait différent d'une politique du citoyen, eh bien, dès qu'on commence à semer des cendres, tous les communautarismes explosent. Et j'en veux pour preuve que même des gens qui sont très laïcs ou bien très ouverts ou opposants, dès qu'on parle des alaouites, allez, hop, on tape sur le chiisme, etc., anti-Iran. Oui, enfin, c'est l'inverse en Irak. Non, mais c'est du même ordre. Bon. C'est pas donc la question, la c'est question le communautarisme. Ne pensez-vous pas que la clé de cette stratégie du chaos, c'est justement les luttes de communautés, et pas simplement chiites sunnites ou alaouites sunnites, mais aussi des chrétiens, des arméniens s'il en reste, des kurdes, etc. Et que ça marche très bien, parce qu'on a exactement le modèle que vous avez, j'adhère complètement, parfaitement décrit, et qui d'ailleurs, certains se préparent pour l'Iran. Ouais, ma question, ne croyez-vous pas que ça va marcher en Syrie? Bon, et la question et la dernière, ne croyez-vous pas qu'il y a un risque global? On est en crise financière. Le Moyen-Orient, là, moi j'ai l'impression de revivre de ce que je disais pour 1900, 1912, 1913 dans les Balkans. Et que, en fait, les alliances automatiques, en particulier de l'OTAN, pourraient jouer. La Turquie a été attaquée par des Kurdes venant de Syrie. Elle n'a pas les moyens militaires d'intervenir. Elle pourrait demander à l'OTAN d'intervenir. Ça fait partie des réponses. Bon, ça c'est la troisième question. C'est les trois questions. Alors, j'élargis vers l'embrasement. Alors, dans l'ordre, donc la première c'était sur les moyens de police et de maintien de l'ordre. Alors, oui, j'ai aussi des choses à dire là-dessus, parce que la question, quand on dit dès le début la police et les chars sont arrivés, et c'est faux, archi faux, puisque de toute façon, là, je le disais au début, dès les premières manifestations qui demandaient effectivement l'abolition de l'état d'urgence, l'abolition d'état d'urgence a été faite le 8 avril. Donc, les premières manifestations avaient eu lieu en mars. Et par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les forces de l'ordre, comme l'armée, ils se faisaient tirer dessus par des gens qui s'infiltraient dans les manifestations, qui étaient armés. La manifestation se déclarant pacifique, mais par contre, les manifestants, il y a peut-être beaucoup qui étaient tout à fait de bonne foi, mais derrière eux s'infiltraient des personnes qui tiraient aussi bien sur les manifestants que sur les forces de l'ordre. Et c'était clair qu'il fallait créer du sang pour allumer la mèche. Donc là, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était concernant la stratégie du chaos communautariste. Le chaos communautariste. Hein. Moi, je pense, effectivement, la question qui vient, c'est que avant d'agir, il prépare les esprits. C'est-à-dire, il y a toujours une propagande qui va dans ce sens, qui met un petit peu sous la loupe certains travers ou certains trucs et les présente comme communautaristes. Le pouvoir syrien, il est compté comme un pouvoir alaouite, il n'a rien d'alaouite, c'est un pouvoir mixte, en fait. Puisque le chef de l'armée, il est chrétien, dans le ministère, il y a toutes les communautés sont représentées, dans le parti aussi, toutes les communautés sont représentées, mais pas à titre de représentation, c'est à titre politique en fait. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou alaouite ou druze ou musulman ou je ne sais pas quoi, ou sunnite qu'on est pour ou contre Bachar. Et souvent, il y a une propagande persistante de l'extérieur qui visait à dire c'est un pouvoir alaouite et il mettait sur le compte du pouvoir la communauté alaouite. Or, beaucoup d'alaouites, ils ont été arrêtés, torturés, etc. Comme tous les autres opposants, il n'y a aucune
aucune manière particulière de les traiter, voire même peut-être plus dur. Mais c'est absolument faux et archi faux. Mais on voulait absolument mettre ce sceau sur ce pouvoir-là. Donc, et troisième question, je me rappelle quelque chose sur le deuxième point, oui, très important. Actuellement, à Homs, il y a des rencontres entre les différentes appartenances confessionnelles pour remédier les problèmes causés par les événements de Bab al-Hamam. Et ça s'est consolidé de manière très positive. Les chefs de communauté se sont rencontrés à différents niveaux pour discuter et se pardonner le tort qui était causé à cause de cette guerre-là. En fait, à l'époque de Bab al-Hamam, ces extrémistes, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Ils allaient dans un quartier sunnite et ils bombardaient un quartier alouite. Puis ils allaient dans l'autre quartier alouite et ils bombardaient un quartier sunnite. Pour déclencher, comme il a bien expliqué, donc la guerre confessionnelle. Ça n'a pas marché. Et on est plus que certain que ça ne marchera pas. On est plus que certain. Parce que le peuple syrien a déjà été tenté par cette division confessionnelle à l'époque quand ils étaient colonisés par la France. Ils ont même tenté de faire un État alawite, un État sunnite, un État chiite. Par la force et par la cisanie. Et pendant 23 ans, ils n'ont jamais réussi. À un point que un leader chrétien est rentré dans la mosquée Umayyad, qui est le symbole du sunnite, et il a déclaré comme quoi, et les musulmans, alors qu'il est chrétien, et les musulmans l'ont porté sur le dos, ils se sont marchés avec cet homme-là sur le dos, enfin sur les épaules, je m'excuse, dans les rues de Damas. Et ça n'a pas marché. Les seules choses qu'ils ont pu faire à l'époque de la colonisation, c'est couper. Partenaire, qui est l'Arabie Saoudite, qui a un pacte de solidarité qui date d'un siècle, 120 ans, que les États-Unis et l'Arabie Saoudite ils sont alliés stratégiquement. Avec tous les événements de siècle passé, le pétrole a continué à couler de l'Arabie Saoudite vers les États-Unis et c'est ça qui compte. Un partenaire comme celui-là, il est très apprécié dans le contexte actuel. Et lorsque Obama a dit « laissons les frères musulmans venir », il se rendait compte que ce sont des alliés efficaces et même très efficaces. D'abord, on a réglé tout le problème de nationalisme, patriotisme de gauche. Dans cette région-là, on n'en parle plus. Les alliés quittés. Laïcité, la gauche, tout ça, on les a balayés. On a mis en face à face chiites et sunnites. Moi, je sais bien que la Syrie, c'était un pays où il n'y avait pas de confessionnalisme. J'ai résidé en Syrie. Lorsque j'ai réfugié en Syrie pour me protéger, j'étais bien content que la Syrie m'a accueilli, puisque c'était un régime qui ne faisait pas de différence. Jusqu'à aujourd'hui, il y a presque 1 million de réfugiés irakiens de toutes confessions confondues. Ils sont accueillis par la Syrie. Mais même un pays laïque, on peut en faire un pays confessionnel, d'autant plus que le terrain est propice. Cette région, on a entretenu le confessionnalisme et là, on lui donne le pouvoir. C'est différent de ce qui se passe en Amérique latine. Si Chavez ou si Castro a pu échapper aux sanctions et à la guerre, c'est qu'il y avait un continent où l'aspiration était progressiste. Et continue. Et ça continue. Ce qui a donné un petit peu de l'espoir à différents pays en Amérique latine, puisque un modèle progressiste est souhaité par ces différents pays. Il y a solidarité. L'aspiration de la région chez nous, c'est le retour au califat. Le modèle actuellement vanté, c'est le modèle de la Turquie. Et la Turquie, elle dit aux frères musulmans, faites comme nous.
utiliser le mécanisme électoral, ce n'est qu'un mécanisme. Cette mécanique, vous l'utilisez, vous arrivez au pouvoir, et en ce moment-là, on verra. Donc, c'est totalement un projet différent. Et ils sont en guerre fratricide entre sunnites et chiites, malheureusement. Moi, je ne suis pas concerné, mais je l'ai vu. Il faut savoir que Souri est chrétien. Malheureusement, oui, je suis chrétien et laïque et je n'ai rien à voir dans cette histoire. Mais malheureusement, c'est comme ça. L'Arabie saoudite, wahhabite, avec le Qatar, la force de frappe de gaz et de pétrole, qui finance, il peut acheter des armées, mobiliser des mercenaires, faire venir des Qaïda d'un petit peu partout, et ils sont en guerre contre la Syrie parce qu'ils pensent que l'Iran, elle va devenir une puissance régionale, et elle va mettre en cause leur pouvoir, et ouais. C'est une lutte de vie et de mort. Je peux rajouter quelque chose. D'ailleurs, l'Irak a mené la guerre. Et après, on laisse la conclusion à Esther. Alors, les dames. Je pense, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, les États-Unis essayent de mettre deux forces dans cette région. Une force sunnite, wahhabite. Donc, c'est fini, plus de démocratie, etc. De l'autre côté, chiite. Donc, l'Iran. Une partie du Liban, finalement. Ouais. Et je pense personnellement. La Syrie, la Syrie. Et je pense personnellement que les États-Unis feront tout pour que l'Iran ne soit pas bombardé, qu'il n'y ait pas de guerre entre Israël et l'Iran. Si vous suivez tous les rapports des généraux israéliens et des généraux américains, ils sont contre la guerre en faisant une étude militaire, etc. Donc je n'ai pas rentré dans les détails sur l'impossibilité d'une guerre déjà, d'une guerre militaire. Mais d'un autre côté, je pense que stratégiquement, il est très important pour les États-Unis, pour garder une même mise sur cette région, de garder deux ennemis face à face. Absolument. L'ennemi sunnite, wahhabite, qui, si on bombarde l'Iran, si cette force chiite n'existe plus, il y aura une force sunnite énorme, et là, qui pourra être une force face aux États-Unis. Donc je pense qu'ils feront tout pour garder cet équilibre entre une force chiite, qui aura toujours... D'ailleurs, ils ne sont pas contre l'arme nucléaire iranienne. Si aussi vous suivez tout leur... Ils ne sont pas du tout. Ils sont d'accord tout à fait de garder cet équilibre. Et comme ça, les wahhabites auront toujours peur des chiites, de cette force en face d'eux. Et les chiites vont avoir toujours peur de la force sunnite. Et qui va triompher, je pense, c'est Israël, les États-Unis, en gardant ces deux forces. C'est ce qu'ils espèrent. Voilà, tu voulais dire quelque chose. C'est que l'arabisme, c'est que, en fait, on l'utilise comme une idéologie. Parce que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, ils ont déjà financé des guerres en Amérique latine avec les États-Unis. Ils ont financé la guerre de la Yougoslavie. Ils ont financé la guerre d'Iran contre l'Irak, l'Iran et l'Irak. Mm-hmm. Ils financent toutes ces guerres. Les factures sont payées par les moi, je l'appelle l'axe de l'OTAN, l'axe de Golfe de l'OTAN. C'est pas ni l'islam, ni des gens. Ils sont à part entière dans l'OTAN, pour moi. Le Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, le Qatar, tout ça. Pour moi, ce n'est pas des pays arabes, ni de l'islam, ni rien du tout. Franchement, c'est des pays arabes. D'ailleurs, sur le territoire du Qatar, la base américaine tient 25% de la superficie du pays. 25%. Imaginez 25% de la France. Ils payent même les Kurdes. On parlera du Qatar une autre fois. Ils payent même les Kurdes. Bon, voilà. Moi, je dirais plus par rapport aux wahhabites. Moi, en tant que sunnite, je considère que les wahhabites ne sont pas des sunnites. Ils sont déguisés en sunnites. Et ça, il faut le voir comme ça. Ils sont déguisés en sunnites, ils ne sont pas des sunnites. C'est un point à souligner bien. Donc, l'histoire de la Syrie a montré que la Syrie a toujours sorti des crises majeures. Les Mongols, quand ils sont arrivés à Bagdad, ils ont fait descendre le califat, arrivés à la porte de Damas, c'est eux qui sont partis.
Les croisés, ils ont resté en tout environ 95 ans entre la Palestine et Jérusalem. Pendant ces années-là, on a tout tenté pour faire des conflits confessionnels entre les peuples de la région. Ça n'a pas fonctionné. Les militants qu'ils ont fait sortir les croisés de la Palestine, c'était des sunnites, des chiites et des chrétiens d'Orient. Et des kurdes. Ben, bien sûr, les kurdes, mais c'est des sunnites. Avec, bon. Donc ça fait partie. Donc ça aussi, ça montre l'unité de peuple à travers l'histoire. 100 années plus tard, il y avait une autre crise qui est venue de l'Est, qui aussi s'est bouchée, s'est arrêtée à la porte de Damas. C'est l'histoire des gens de Damas. Et c'est une crise de plus. Ce n'est pas autre chose. Donc les Syriens sont plus que confiants qu'il n'y aura pas une suite... Ils traverseront cette épreuve comme les autres. Donc, un autre point, par rapport à l'événement de Houlé, j'ai ramené avec moi un courrier pour dénoncer le fait que le gouvernement français s'est basé sur les rumeurs pour prendre la décision d'expulsion des diplomates syriens. Donc ce qui est honteux absolument, qui ne correspond pas à la morale, ni aux règles habituelles de diplomatie. En plus, la Syrie n'a jamais manifesté une politique rancunière, quoi que ce soit, envers la France. Donc, les enveloppes sont prêtes. Celui qui pense comme moi que ça c'est injuste, qu'il envoie le courrier à Hollande et trois autres... C'est Fabius maintenant. C'est Fabius et quelques députés aussi. J'ai ramené ici, je les mets là. C'est lui qui souhaite. Il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas la dictature. D'accord, on va voir ça après. Et donc, ASR. Donc, moi je voudrais, en fait, en guise de conclusion, je pense que le peuple syrien voit effectivement l'ensemble des forces agissantes contre lui. Et aujourd'hui, il est en train, bien que malgré la crise et la tentative de l'affamer et de créer une crise, véritable crise économique, malgré tout ça, le peuple a resserre ses rangs et est décidé à lutter pour garder la souveraineté de la Syrie. Ça, c'est un point essentiel et je crois qu'il est très vrai. Là-dessus, je voudrais aussi appeler toutes les personnes qui se disent révolutionnaires aujourd'hui, qui sont des intellectuels dévoyés, je dirais, et qui sont manipulés par les médias occidentaux. Je pense qu'on n'a jamais vu quand même des gens qui se battent soi-disant pour la démocratie ou pour leur pays, qui appellent les forces étrangères à l'occuper d'une part et qui appellent à casser le dire. Il est important quand même d'affirmer un certain nombre de principes. D'abord, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et complètement interdiction totale, je dirais, à toute ingérence extérieure, sachant que là, dans le cadre de la Syrie, on s'est bien rendu compte que quand même les ingérences sont multiples et que malheureusement la France, qui se prétend pays de liberté et de justice, est presque la tête de pont de cette agression contre la Syrie. Et puis dernier point, égalité au niveau des médias. Je ne vois pas pourquoi on n'entend pas du tout les voix syriennes, ni les télés, ni les radios, etc., sur les chaînes européennes et toutes les chaînes de l'OTAN d'ailleurs, et que ça me paraît non seulement une injustice profonde, c'est aussi une trahison de toute la charte de l'ONU elle-même qui est utilisée pour l'agression contre la Syrie. Donc c'est un certain nombre de points. Je demanderai aussi à tous les anti-impérialistes en France, en Europe et dans le monde à appuyer ces demandes en fait et à lutter aux côtés du peuple syrien pour que
qu'il puisse disposer de lui-même et qu'il puisse régler sa crise à la manière syro-syrienne, je vais dire. Voilà. Merci. Merci à tous.